salut tout le monde, c'est BluesRun974 et bienvenue à bord de ce Boeing 737-800NG de chez Aerostral, immatriculé Fox Oscar November Golf Bravo, pour faire un petit vol de environ 35 minutes entre l'île Maurice Plaisance, Fox India Mike Papa, jusqu'à la Réunion Roland-Garros, Fox Mike Echo Echo. Donc on est à bord du deuxième 737-800 de la compagnie Aerostral, donc la compagnie number one de l'océan Indien. On est bien sûr sur IVAO, en ce moment sur IVAO, jusqu'à 16h UTC, il y aura l'approche de Roland-Garros, donc ça sera assez cool. Bref, voilà, je vous ai fait un petit briefing du vol. Je vais faire un petit timelapse de la préparation de l'appareil jusqu'au pushback, le roulage et le... non pas le décollage, jusqu'au point d'arrêt Bravo de la piste 14. Normalement ça sera ça, je vais pas regarder les vents mais on va voir. Et je vous dis à tout à l'heure pour le décollage. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker, by 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady.
Donc voilà, on se retrouve au point d'arrêt Bravo de la piste 14. Donc le vent souffle du 360 degrés pour 3 nœuds. Du coup, on va configurer tout de suite le décollage. Donc on a bien mis les pattes sous auto, landing lights on, taxi runway turn off, off. Donc là, on est OK. Strobe. On va passer sur la radio, le pédestal, donc comment ça s'appelle ça encore, le TICAS, le transpondeur sur Tara. On a réglé les VOR et l'ILS pour un retour sur la piste. On a bien réglé le QFU, seuil de piste, piste 14, qui est de 136 degrés. L'inclinaison, enfin, le cap ILS est aussi de 136 degrés. Donc voilà, on est bon. Le QNH est de 1013, donc QNH standard. On est plutôt OK, on va mettre tout de suite le chrono et on va rouler. On va s'aligner et on va décoller piste 14. Donc normalement là j'ai un bug, les landing lights n'éclairent pas le sol. Je sais pas pourquoi, ça me fait ça aussi sur le PMDG 777. Et c'est assez chiant. Mais bon, on va se fier aux éclairages de la piste. Ça devrait le faire, mais à La Réunion, là, il va faire plutôt nuit. Ça sera pas super. Ah oui, je vous ai pas dit, on est le Réunion 109. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Donc on va faire un rolling take-off, 50%. Auto-throttle, on. 50% stabilisé, and toga. Donc normalement notre V-rotation est en dessous, pas loin, dans les 140 degrés, non 140 nœuds, pardon. Donc 8 knots, check. On va décoller en bout de piste. V1. Rotate. Positive climb, gear up. Donc on est OK. Attention au taux de montée. On monte vite là. Hein. 4000 pieds minutes, on va réduire tout ça. Hein. Donc on va passer sous L9, V9. Donc L9, V9 disponible. On va passer tout de suite sur l'autotrottel. Non, sur l'autopilote. Donc voilà, notre avion est sous contrôle de l'FMC. On va tout de suite enlever les landing lights de ce côté. Voilà, je crois qu'on est bon. Donc gear off. Auto break sur off, flaps one, on est plutôt que on va tout de suite procéder un direct, je regarde un direct Sobat juste après Evana. Au point, non pas tout de suite, là je bloque, ouais non ouais, juste après Evana on va partir direct au bat. On aura le contrôle de Roland Garros, donc on va essayer de demander une GNSS piste 14. Et donc voilà. Talking about the wrong stuff.
Après 15 minutes de vol, pour contacter Roland Garros approche sur 119 décimales 4. Donc on va le faire tout de suite. On va demander une GNSS piste 14. Donc voilà, attendez, 119.4. Donc avant de passer en actif, je vais vous dire l'ATIS. Donc l'ATIS que j'ai enregistré, c'est la vraie ATIS que j'ai appelée. Que j'ai reçu plutôt avec le numéro de téléphone 02 62 72 89 89. Je vais vous le mettre, donc c'est assez pratique. Donc maintenant je sais que l'ATIS en réel c'est l'information mic enregistrée à 14h Zulu. Donc on prévoit une ILS Zulu 14 à transition 130, le vent 120 degrés pour 8 nœuds, visibilité au-dessus de 10 000, un peu de nuages 3 000 pieds, fragmenté 8300 pieds et 5300 pieds, le QNH 1012 et la température extérieure à l'arrivée plutôt 27 degrés. Donc on va tout de suite passer en actif. Donc voilà. Link engage. Je suis mis en route à trouver, départ piste 12, point départ Foxtrot 4 Charlie, profondeur 1000, niveau initial 130. Donc nous sommes approuvés pour Maurice sur un départ Fox 4 Charlie, piste 12. On monte initialement au 130. Voilà, on peut voir qu'il y a du trafic. Maurice 141. Maurice 141, la relais est correcte. Rappelé prêt pour le repoussage. Réunion 109, identifié radar. Bonsoir monsieur. Bonsoir Roland Garros, ici Réunion 109. On est au niveau de vol 180 pour une GNSS piste 14, s'il vous plaît. On a le transpondeur 1000. Et on vient de copier l'information Charlia. Réunion 109, arrivé Sobat 4 Victor, approchez l'est, piste 14. Prévoyez, descendez 5000 pieds. Donc on possède la 4 Victor, on descend 5000 pieds, Réunion 109. Donc 4 Victor, j'ai pas réussi à avoir la GNSS. Donc c'est pas grave. Sobat 4. Victor. Il y a l'être Zoulou. Précis. Execute. Donc, notre top of descente. 5000 pieds. On va pas tarder à descendre. 5000 pieds. Ok. C'est quoi ça? Donc je vérifie vite fait. Oh, c'est quoi cette merde là? Donc on passe au bat. Ok, Sierra. Oh là 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 là. Voilà, là c'est plus clair. Donc on va tout de suite descendre parce que là on vient de louper notre top of descente. On va descendre 2500 pieds minute. On va dire 249. Spoiler, sortie, autobreak sur 1. Seatbelt sur on. Et voilà. Donc on va tout de suite régler la descente. Donc la transition, elle est à 130. Donc forecast, prévoir 130 pour la TA. Et voilà, donc en passant 130, on va mettre QNH 1012. Et voilà. Comment il m'a pu m'identifier? J'avais même pas le transpondeur sur TX, n'importe quoi. Bon.
attends, faut qu'on réduise. Proche Maurice 141, c'est... Putain, il y a du vent là, de dos, 15 nœuds, ça nous avantage. Un beau coucher de soleil avec une météo bof bof, mais bon, c'est toujours mieux que la pluie. Moi qui croyais que j'allais pas avoir une météo de merde, j'en ai une. Donc bref. Donc voilà, j'ai sur ma dérive, j'ai une photo de Serge Gélabert qui représente le sud sauvage de l'île de la Réunion. Sur l'autre 737, c'est plutôt les cascades et la montagne, les cirques de l'île de la Réunion. Donc c'est sur le Fox Oscar November Golf Alpha, donc c'est le premier du nom. Donc voilà, c'est plutôt sympa d'avoir sur chaque appareil, chaque photo différente de l'île de la Réunion. Y compris sur les ATR 72 500 et sur les 777-300ER d'Aerostral. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, on va bientôt passer vertical Sierra Delta Golf. Dans pas longtemps. Regarde. Voilà, on peut voir l'aéroport, on va la survoler. Mais là, franchement, la météo est dégueulasse. Je le rapproche, Maurice 141, prêt à roulage. Donc, oui, ah oui, merde, on a passé. On a passé 10 000 pieds donc. Landing lights on. Master switch sur continue. On est ok. On va plutôt réduire 220 nœuds. Tac, on laisse les spoilers pour ralentir. Ah oui, on va régler. On va pas régler, mais on va plutôt switcher sur. La fréquence ILS de la piste 14, donc 110.3, et sur le bord DME, Sierra Delta Golf, 112.9. Donc on est OK. Je vais contacter vite fait la tour. Donc voilà. On approche le fond d'un Charlie, Maurice. Maurice. Maurice 141, alignez-vous, piste 12 depuis Charlie. Autorisé décollage, vent 90 degrés, 7 nœuds. Taps 1. Décollage depuis Charlie. On va rentrer les spoilers. Oui, super. Flaps 5. On est à 5000 pieds, Réunion 109. Réunion 109 autorisé, approche ILS piste 14. QNH 10-11. Autorisé, approche ILS piste 14. On a bien copié le QNH 1011, Réunion 109. Donc on va continuer notre descente. Voilà. On passe sur LNAV, VNAV. On va régler le QNH 1011. On va réduire 202. Non, il va réduire tout seul. Donc voilà, on est plutôt correct. Euh,
Franchement, météo de merde à l'île de la Réunion. Pourtant, chez moi, il pleut pas. Mais bon, je sais pas, Roland Garros. Et même dans la tisse, ils ont pas signalé de pistes mouillées. Et depuis d'averse, donc là je comprends pas, c'est le moteur météo d'Ivao qui déconne aujourd'hui. Putain, j'espère qu'il m'a pas fait un hold. Oh putain, il m'a foutu un hold. Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Maman, maman! Bon, voilà, on va faire ça. Ouais, donc là, c'est bon, on n'a pas de hold. Donc, juste pour information, le KPLS piste 14 est toujours 136. Pareil que sur Maurice, donc voilà, comme par hasard, au degré près. La piste 14 sur Maurice et la piste 14 à Roland-Garros est inclinée exactement de la même façon. Franchement, c'est pratique, comme ça, on n'a pas à toucher ça. Maurice, 141, montée de niveau 130, rappelé passant les 12 000 pieds. Flaps. Donc là on peut voir la mer qui est un peu déchaînée. On va se mettre sur le lock. On va régler direct récif. On est en direct récif. Donc c'est pas la peine. On va sortir les trains. Flaps 25. Putain, l'avion est incliné. Oui, il m'a réglé déjà ma minimum. Donc on va régler la V référence, donc 139. Voilà. Je vais mettre le bord. Commander LNAV9 parce qu'il nous fait n'importe quoi. On va rester à 170. Tac. Donc là ça fait 30 minutes, on va respecter les 35 minutes comme convenu précédemment. À monter de niveau 200 et rappeler niveau 200. On va pas tarder à intercepter le localizer et le glide comme on peut le voir ici. On va direct mettre approche, hein, on va pas se faire chier. On va réduire 160 nœuds. Réunion 109, rappelez établi LS piste 14. On rappelle établi LS piste 14, Réunion 109.
pilote auto, il nous fait de la merde, franchement, il est incapable de nous aligner sur l'ILS. C'est quoi ce travail? Établi sur l'ILS, piste 14, réunion 109. Réunion 109, autorisé atterrissage piste 14, vent 90 degrés, 5 heures. Autorisé atterrissage piste 14, réunion 109. 90 degrés, 4 nœuds, j'ai même pas reçu. C'est pas grave. Donc la vitesse référence, c'est 139. On passe 2500 pieds d'ailleurs. J'approche mon SF 41 au niveau des freins. 139, full flaps. Maurice 141, passé sur Unicom, 122 décimales 8, bon vol à vous. On va régler la TA, non la minimum. 122.8. 300 pieds. Member left. Alors, on va faire un atterrissage avec la HUD, c'est plutôt sympa. Tac, tac, continue, c'est bon. Ah, merde, j'ai oublié. Speedbrake arm. On va reprendre en manuel tout de suite. Donc, pilote auto désengage. On a du vent de face, pile, c'est parfait ça. Trois rouges, une blanche, on est un peu bas. On va pas tarder à passer la minimum. Continue. Oh, perfect. Reverse green, non pas tout de suite. Mais merde, oh c'est chier, je me suis trompé de bouton. Donc reverse green, diesel, 18 knots, reverse, disengage, autobreak off. On va sortir par alpha, HUD on l'enlève. Ça c'est trop mal fait l'effet de pluie. Bon. Alors runway turn off, on, taxi, on, landing lights off,
on start la PU. Allez, on sort par Alpha. Putain, je vois rien. Réunion 109, on a dégagé la piste 14 par Alpha. Réunion 109, vous voulez la contenance et rappeler au bloc. Oh, la contenance et on rappelle pour quitter au bloc. Alors. Ça va. Alors, le transpondeur TX stand-by. Et pareil sur Flight Simulator. Donc voilà. Donc on a fait un atterrissage sec. Là, je peux le dire sec. Si on regarde bien les pieds minutes, enfin les pieds jusqu'au sol, on peut voir que ça fait 10, 9, 8 jusqu'à 5 assez rapidement. Arrivé à 5 jusqu'à 3, ça se ralentit. Et 2, 1. Super, mais vraiment léger. Donc on va se mettre plutôt parking 5. On va essayer. Faut pas que je me trompe. C'est celui-là, ouais. Donc notre prochaine à gauche. Merde, je crois que je l'ai loupé. Ouais, je l'ai loupé, donc parking 4. Donc on va prendre cette porte-là. Ralentir. Un petit peu plus. Et voilà. C'est bon. Donc parking break 7. On va se brancher sur la PU avant d'éteindre les moteurs. Les wipers off. Anti-collision off. Wings on laisse tout, master switch off, APU bleed on, donc on va couper les moteurs. Donc voilà, ah merde, j'ai oublié d'entrer les flaps. Donc flaps 0, alors probit off, pax off. Tout ce qui est lumière, Renault est off, taxi off, master switch c'est sur off, c'est bon. Ouais, je crois qu'on est ok. On va enlever les IRS, c'est notre dernier vol. Service interphone off, wiper, non, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais bon, voilà. Yop damper, un truc comme ça. Donc off. Bon, voilà. Donc voilà, on vient de faire ce vol en 737 puissants de PMDG avec Aerostral, Inapriculé, Fox, Oscar, Novembre, Delta, Bravo. De Maurice, Plaisance, Fox, India, Mike, Papa, jusqu'à l'île de la Réunion, Roland-Garros, Fox, Mike, Echo, Echo, sur Ivao, bien sûr, avec du contrôle à l'arrivée qui était plutôt sympa. On a voulu faire une GNSS piste 14, mais bon, le contrôleur a pas voulu, il nous a foutu une Sebat 4 Victor. Mais bon, une approche standard. D'ailleurs, pour la pluie, maintenant chez moi, il fait pas beau. Voilà, il pleut à mort, comme en réel. Donc, finalement, le moteur météo de Ivao disait vrai, finalement. Donc, faites pas attention, les portes de sortie qui sont ouvertes, voilà, j'ai merdé.
Bref, on a fait un vol d'environ 35 minutes, un peu plus, il me semble. J'ai pas arrêté le chrono, j'ai pas regardé. Vous le verrez à l'atterrissage, le nombre de minutes qu'on a fait pour ce vol. Donc voilà, on n'a pas trop perdu de temps. On a fait dans les standards à peu près 35 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La semaine prochaine, ça sera encore l'école pour moi. Donc ça sera sans doute, vu que je vais faire un vol réel, PPL. Je vais essayer d'enregistrer avec ma GoPro, donc sans doute la semaine prochaine ça sera une vidéo IRL, pardon. Voilà, je vais vous faire un petit montage. Et pendant les vacances, je vais vous faire la méga rotation du Réunion 255 qui partira de l'île de la Réunion tôt le matin jusqu'à Saudi Mayotte. Ensuite Mayotte les Comores, FMCH. Après FMCH, ça sera l'île de la Réunion, retour. Ensuite, Réunion Maurice et Maurice Réunion. Le tout, je vais faire ça dans un petit montage assez sympa. Donc, ça va durer 10 minutes à mon avis. Donc voilà, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de montage. Donc sinon, si vous avez aimé ce petit vol entre l'île de la Réunion et... Non, pas l'île de la Réunion, mais Maurice, l'île de la Réunion, avec ce magnifique 737. Ben, mettez un petit pouce bleu, mettez votre avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper surtout toutes mes dernières vidéos. Et je vous dis bon vol à vous et à la prochaine.